Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va pas faire comme dans un journal. Je suis avec Lulu. Salut tout le monde. Et on est là pour vous parler d'un truc que vous avez sans doute dû entendre hein, durant cette journée, celle d'hier et peut-être même celle d'avant-hier si vous regardez cette vidéo le vendredi. Cet attentat qui s'est produit à Charlie Hebdo. Donc je fais une très courte vidéo pour moi je me tiens à rendre hommage à ces journalistes exceptionnels. Je pense que Lulu le fera aussi et le fait aussi hein, parce que c'est des journalistes qui, alors je parle pas très fort parce que j'ai un petit peu sous les mentions, mais voilà, c'est pour ça que moi je tenais absolument à faire cette vidéo, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui malheureusement font des dessins et meurent pour ces dessins et parce qu'ils ont fait un dessin humoristique. Alors, je vous avouerai que j'ai vu un reportage aujourd'hui. Assez. Voilà. Et puis, bien évidemment, cet attentat a fait par des terroristes, des connards. Je tiens à le dire. J'utilise les mots forts, mais il faut le dire. Je pense que Lulu sera d'accord avec moi, d'ailleurs. Ah oh, ouais. Donc voilà. Donc là, on nous indique, au moment où je vous parle, que vraiment il y a d'autres morts, c'est en jeudi qu'on vous parle, hein, qu'il y a d'autres morts à cause de Montrouge. Mais c'est vrai que cet incident-là est un incident très particulier et qu'il est très rare en France et qu'il arrive là. C'était vraiment bizarre et. Mais c'est. Charlie Hebdo continuera à publier son journal d'après ce que j'ai compris. Parce que dès mercredi prochain, ou je sais plus, ils sortiront la semaine prochaine un journal, même s'il est de 8 pages, ils sortiront un journal. Et vraiment, Charb. Alors, il y a beaucoup Cabu qui a ému beaucoup de gens. Moi, c'est plutôt Charb, parce que Charb, je le connaissais bien, puisqu'il faisait tous les dessins souvent du journal que je lis, hein, le quotidien. Enfin, que je lisais, et je l'aime bien parce qu'il faisait vraiment des beaux dessins, quoi. Il avait la liberté d'expression, et ces 12 personnes qui ont été tuées pour la liberté d'expression, ça se fait pas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo, très courte, mais ce soir, la France doit être encore sous le choc, et ça fait quelque chose. Même pour ceux qui sont pas concernés, comme moi, je suis pas tellement concerné, si ça fait un choc. Allez, c'est tout ce qu'on avait à vous dire, Lulu, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que t'as tout dit. Alors du coup, je vous dis à plus tout le monde, à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de faire une vidéo de bus dans la semaine, et sinon la semaine prochaine, parce que là, vraiment, j'ai pas spécialement de moral. Allez, bonne soirée. Ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo.